sais pas comment ça va finir là-haut, mais pas bien ce tronc. Hein. J'ai des choses qui sont dans le fossé. Oui, j'ai un petit maman que j'entends qui pleure. Je viens le voir, mais je peux rien faire pour lui là-haut. On aura envie de le redresser, lui mettre un étai, mais peut-être que c'est son heure de lâcher prise. Ouais. Il y a un copain qui est courageux à côté, mais je ne sais pas s'il va tenir longtemps. Ouais. En plus, il a deux branches, deux troncs qui se divisent. Le tronc se divise en deux, là. Coincé entre les deux, là. Incroyable, ça. Ah ouais. Je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer un peu. Donc, c'est imbriqué l'un dans l'autre. Ça chougne. Pourtant le vent n'est pas très très fort aujourd'hui. Les oiseaux qui passent. Voilà. Bon. Je vois combien de temps il va tenir. Voilà, voilà, c'est la vie. Tout a un début, tout a une fin dans ce vivant. Il va se coucher, on approche 20h, me semble-t-il. Je redézoome un peu. Hop. C'est mieux comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Bon, là, maintenant, je me demande plus ce qui se passe. Elles sont jolies, les fougères. Elles sont déjà marrons, c'est bizarre ça. Les gens marrons. À bientôt. Vive la verdure. Criard, Saint-Bert criard. Partout, et les arbres sont de plus en plus touffus, ils s'épaississent avec leurs feuilles qui sont plus des petites pointes de rien, mais. Oh là 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 là. Les deux côtés que je me retourne. C'était pas comme ça il y a 3 mois. Merci la vie. Merci à tout le monde d'être là. Belle présence de chacun.